Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de PUBG, les défis assurés par FoxDie. Salut Fox. Salut à tous. On est accompagné de Tix, le clown vengeur, et Tori Clone, notre comment elle s'appelle déjà? Lara Croft. Lara Croft. Bonjour. Oui, oui bonjour. Voilà, donc on va partir sur un défi mule. La mule, donc la mule, ce sera l'un d'entre nous. Inutile de vous dire que je vais prendre le rôle, hein, puisque je sais pas tirer comme d'habitude. Je vais prendre le rôle. Donc la mule, c'est celui qui transporte toutes les munitions. Les autres n'ont droit de transporter qu'un seul chargeur sur eux, donc celui qui sera équipé dans leur arme, et seront obligés de réclamer des munitions au compte-goutte à la mule. C'est-à-dire qu'il faudra vider ton chargeur pour réclamer des balles. Ou vider, si t'as vidé 12 balles sur 30, demander les 12 balles qu'il te manque. Voilà. Bien sûr, la mule a droit aux grenades, et vous avez droit aux grenades. Et la mule a droit seulement aux flingues, c'est ce qu'on a dit. Ouais, et la mule seulement aux flingues. Aux flingues de poing. Et j'ai envie de te dire, Fox, Paris, c'est quand vous voulez. Paris. Ouh, oh, on est parti instant, quoi. Ah, on n'a pas choisi les maps. C'est pas grave, on allait à toi. C'est pas grave, on prend tout. Je le vois bien. Un défi quotidien qui dit qu'il faut que je joue 20 minutes sur Iran. On va jouer 2 minutes, on va arriver. Pouf. On va toucher le sol, on sera mort, c'était bien. Du coup, c'est qui joue la mule? C'est Knarfang. C'est moi. C'est le rouge. Sac les 3, il est pour moi. Le orange. Voilà, voilà. Bah, pouce bleu, hein, commentaire. Si vous avez des idées de défi, mettez des commentaires et puis vous faites genre vous abonner. Hein. Ou un truc comme ça. Affirmatif. Où est-ce qu'on va? Là, loin, comme ça, y a pas de chagrin? Loin, y a pas de chagrin? Pouf. Loin, Ah bah, tu veux qu'on aille à Zarki, quoi. Tu veux qu'on aille à Zarki ou quoi? Y aura peut-être une équipe, c'est ça qui est chiant. Et on sera bloqué, tu vois. Faut aller là où on sera pas bloqué, tu vois. On peut aller juste à côté de Zarki là, dans ce petit bled là. Deux, trois entrepôts. Attention. Ouais, ça on peut tenter d'aller taper sur ces vernis le plus loin possible. Je suis pas sûr si qu'il y ait grand monde qui va y sauter. Hein. Bon, on peut tenter. Hein. Ces vernis. Ah. Donc si jamais vous ramassez des munitions excédentaires, c'est-à-dire plus que votre chargeur, vous n'aurez pas le droit de tirer tant que je les aurai pas prises. Ouais, on doit te les déposer. Ouais. Oh, c'est chaud! Ah, bah ouais, donc soit tu ramasses juste ce que t'as besoin comme munitions et tu peux tirer. soit t'en ramasses pour me les donner et tu sais que tu peux pas tirer avec ton flingue. Bah, du coup, je prends deux chargeurs dans mon truc comme ça. Je t'en donne un. Oh, non, c'est horrible. Non. Ça sera horrible, j'affirme. Allez, on saute quand on est en 15. Hein. Ah, bah, vous allez tous sauter. Allez vous faire voir. Moi, c'est je pas ouais. Oh, oui. Faire voir. Je saute pas, je meurs, comme ça vous êtes obligé de jouer sans munitions. La misère. J'ai des gens avec moi là. Bon, ça a l'air calme, hein. J'ai pas encore ouvert de parachute, mais ça a l'air. Ouais, je vois un Fox. Ouais. Bon, bah, ça a l'air calme, hein. Non, mais ça a l'air bien. Ah, on peut ramasser autant de munitions là, c'est cool. Yes. On va pas tirer. C'est ouais, quoi, je vais même faire un crochet sur shooting range du coup. Et du coup, si on a plus la mule, comment on fait? Bah, vous n'avez plus qu'un chargeur, les gars. La bonne misère à vous. Hein. Et on doit ramasser sur les ennemis. Voilà, c'est ça. Tu ramasses au compte-goutte. Ah, bah, tu étais obligé de. Tout au compte-goutte, hein. Après, à mon avis, tu bascules en mode tir solo. Et bonne galère, hein. Et bonne galère. Bonne galère à vous tous. Ok. Donc là, on peut ramasser autant de balles qu'on veut, hein. C'est oh, ça j'ai le gilet 3. Tu peux pas tirer tant que t'as plus de balles. Si tu ramasses tout ce que tu veux, tu pourras pas tirer tant que tu m'auras pas donné les chargeurs. Il y a un autre gilet 3 sur la shooting range, là où je suis. Derrière les premières cibles. Oula, il y a 2 8 kicks. Que je vais lâcher sur le pare-boule 3 qui se trouve derrière la cible. 2x8 derrière la première cible. T'as pas de sac à dos, toi? Ça sent que non, t'as pas de, non, sac à dos. Pas de sac à dos. Je peux les prendre, mais je peux quand même les prendre, mais je vous les lâche parce que je pense que vous allez venir chercher un gilet 3. Je
pense. Hein. À moins que ça vous intéresse. Hein. Ça dépend de la zone. Si on est. La zone, elle dit qu'on est pas loin, ça va. Pas si loin que ça. Est-ce que vous voulez que je ramasse une mini 14? Je veux bien. Je veux bien la mini. Est-ce que tu veux aussi l'UMP 9? J'ai déjà l'UMP. Si quelqu'un veut. Ok. Non, j'ai des choses. Voilà. Ok, donc je lâche une UMP par terre. Ok, cool. Oh, je crache des problèmes. J'ai trouvé zéro sac à dalle. Hein. Ah, je peux plus rien ramasser. Ah, ma vie est moche. C'est vrai que les sacs à dos, on en voit de moins en moins. Bah, s'il y en a un qui peut me rapatrier un sac à dos sur la shooting range, hein, je suis preneur là. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, je peux rien ramasser. C'est moi la vitre. Sac à dos. Ah, j'ai trouvé mon pistolet. Ça, c'est intéressant ça. Alors, exceptionnellement, ce que je vais faire, clac, je vais charger la mini-caisse. Il y a une AK ici, je prends pas les balles. Au niveau de l'église, il y a une AK. Il faut que je trouve un sac à dos là, c'est craignos ça. Il y a ma soin sur la shooting range, hein. J'ai déjà vu au moins 4 painkillers, enfin 4, vous m'avez compris. Alors, si j'ai deux sur ma position également. Ah, c'est bon, j'ai un sac à dos. Si vous trouvez un P18C ou un scorpion, faut le donner à Knarfang. Hein. Non, scorpion, j'ai pas le droit, c'est pas un... Ah, si, il rentre dans la case des pistolets. C'est l'arme de poing. Ah, si, c'est ça. Ouais, mais tu m'as dit que c'était de la merde. Oh, qui a dit ça? Bah, Fox m'avait dit que c'était de la merde. J'ai jamais testé. Non, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Ça suffit pour faire du bruit. Quand vous me trouvez le petit chargeur de pistolet silencieux, je suis preneur. Évidemment. Hop. Je fais demi-tour pour essayer de récupérer des trucs et des machins. T'as besoin de quelqu'un qui te porte des trucs ou pas? Bah non, enfin ouais, sauf que si vous pouvez transporter tout ce qui est un peu de soins aussi, etc. Parce que vous avez le droit. J'ai un véhicule, j'arrive. Tac tac. Ok. T'as pas rendu depuis tard, je trouve pas de sac, c'est horrible. Est-ce qu'il y a besoin que je vous ramasse du 9mm? Je crois qu'il y en a un qui joue en UMP. Hein. Ouais, moi aussi, ouais, s'il te plaît. Mais moi j'en ai assez du 9. On ramasse pas une seule personne, je ramasse tout ce que j'ai. Paf paf paf. Paf paf paf. Pif paf pif paf paf. Par contre, j'ai une question. Alors, si c'est moi qui ai mal compris, on peut prendre n'importe quelle arme. Oui, 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 oui. Prends ce que tu veux. Ah, d'accord. Prends ce que tu veux, y'a aucun souci. Ouais, sont passés où les 8X? Quelqu'un les a ramassés? Non. J'ai ma mini 14, tu peux la lâcher. Mini 14, tu as. Non, okay, non, je la prends. Ah, je la lâche pas. Ok, bah viens sur moi, il y a gilet trou, voilà où je suis. Ok, j'arrive tout de suite. Tu as un sac ou pas? Pas filé par terre. Je te lâche une 8X, je te lâche une 14. Bah à part si t'as un sac 3, sinon je suis plus intéressé. Tiens, je vais te déposer des trucs. Je te prends le scorpion. Vas-y, pose des trucs par terre. Je te fais un silencieux pour l'arme de poing. Ok. Tac tac, P92 c'est ce que j'ai déjà. Ah non, moi j'ai le P19, je sais pas ce qu'est le P92. J'ai ton scorpion là, hein. D'accord, c'est du 9mm, c'est ça? C'est du 9, ouais. Ok, personne n'utilise 2.45? Non, il me faut du 5.56 moi. Ok. Ouais, moi aussi 5.56 pareil. Ok, bah je tourne déjà, j'ai 240 balles de 5.56. Je crois qu'on a déjà négocié. Ouais, je vais t'en prendre pour un chargeur de mini 14. Je crois que c'est 20. Ok, pas de soucis. Donc bah, je vous conseille de vite vous trouver aussi les chargeurs d'extension, hein, les grands chargeurs. Tiens, celui-là bouge pas. Je suis statique. Bulle statique. Je veux bien un chargeur XXL de SM, Jessica. 20, par favor. Tu veux combien? 5,56, 20. Un chargeur 5,56, en voici 10, monsieur, et en voici 10 de plus, monsieur. Merci. Il y a une mini 14 là où je suis. Ouais, je crois qu'on est full mini 14 là, faut se calmer les gars. Il y a d'autres pistolets, je vous jure. Après, l'avantage de la mini 14 c'est que tu peux pas tirer en rafale, t'économises des balles. Théoriquement, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, thanks. Bah j'en ai déjà. Cool. Ah, du 5,56, très bien. Celui-là il est rapide, c'est mieux. Il y a un GT3 là où je suis, Fox, si ça t'intéresse. Yes. Ok.
Juste à côté du bar, à ta gauche. D'accord. Je pense qu'il va falloir qu'on se rapproche un peu de la zone aussi, à l'occasion. Ouais. Et j'ai pas trop de casque, j'avoue, je suis sans casque, man. Il y a un véhicule à prendre, au lieu de faire la route à pied, si tu veux. C'est un petit quad là, non? C'est ça? Un buggy. Je te laisse peut-être le buggy, je te laisse peut-être pas en galère. Attends, je viens de chercher. Un buggy. J'en ai un. Ah ok, ah d'accord, on en a deux. Ah ouais, donc on roule en buggy. Oh là, la classe. Oh sa mère. La classe dans l'Arkansas. T'as la zone de droite, elle est faite là. Toute celle-là où je te mets un azimut là-bas. Ok. Et moi, je vais me rapatrier sur les gars. Si l'un d'entre vous, d'ailleurs, les gars, voit un casque 2 ou 1 ou n'importe quoi, il me fait un call, s'il vous plaît. Bon, j'ai en train de venir, d'accord. Ah, c'est nous les deux véhicules. Mais tu veux quoi, un casque 2, c'est ça? Ouais, un casque 2 ou 1, j'ai 0 casque. J'ai un casque 1, ouais, là-haut. Vas-y, j'arrive, et comme ça, tu peux me lâcher également le scorpion. Et si mes balles. Une battée, il y a un point sur la battée là. Et tu veux. Ah oui, d'accord, ok, nice. Tu veux peut-être des grenades, ouais, je pense. Full je suis full balle, donc va falloir faire des choix dans la vie. Du 5, enfin, fais moitié 5, moitié 9, non? Vous avez du 7, les gars, ou pas? Non. Alors, moitié 5, bon, moitié 9. J'ai 280 balles de. Ouais, je garde 180 balles du MP9. Vous êtes combien à utiliser du 9? Oui. Allô, on n'est pas tous en même temps, vous êtes combien à utiliser du 9, un... s'il vous plaît? 1. 9, seulement 1? Ah, bon, voilà. C'est fait, il y en a un PSS avec un P. Merde, comment ça s'appelle celui-là d'ailleurs? 92. Un P18C. Et on est 3 à utiliser du 5, c'est ça? Vous avez 3 à utiliser du 5.56, j'ai cru comprendre en mini 14. Ouais, on va faire vrai. Simple. Fox, tes armes, c'est quoi? C'est 9 et 5. UMP et mini 14. Ok, Tix, tes armes, c'est quoi? Alors, c'est la M16A4 et la mini 14. M16. 5.56. 5.56, tout en 5. Ok, d'accord. Et toi, Toricon? Moi c'est Scarel et puis mini 14. Donc tu prends du 7.62, c'est ça? Non, 5. Ah, les 5. La Scarel elle. La Scarel est en. Okay. Ouais, j'ai les 3 ici sur moi. Si personne, si quelqu'un n'a pas encore. On est tous. Ouais, moi je serais plutôt un casque 2 et un sac 3 parce que ça me permettrait de vous prendre beaucoup plus de stuff. Par contre, je peux répartir un peu de son aussi, hein. J'en ai un peu sur moi. Ah, oh, ça y est, on bouffe du dégât. On est zone. Les zones, les gars, à faire bouger. Et par contre, ah oui, ça prend des améliorations de pistolet en fait, le scorpion, c'est ça? Ouais, je te donne un silencieux et un viseur en rouge. Tiens, craf. T'as la crosse pliable pour le scorpion ou tu te le donnes? Je vais donner. J'ai rien du tout. Je vais te donner. Ah si, attends, j'ai un silencieux et un point rouge. Ah oui, est-ce que quelqu'un veut la x8 là, 8x, tiens. J'en ai déjà. Moi, je voudrais bien, moi. Il y a une smoke à prendre, les gars, si vous voulez. Une deuxième smoke d'ailleurs. Vous avez pas des silencieux en rable? Vous avez tous des silencieux? Bah j'en ai. Et merde, ça prend quoi comme? Ça prend pas de chargeur cette merde? Ça prend un seul chargeur, c'est le chargeur XXL chargeur. Seulement. Ah, juste le XXL? C'est seulement XXL. Y'a qu'un des bandages? Non, moi j'ai pas de bande. Si, j'ai pas. Je viens t'en prendre un petit peu, ça te dérange pas, j'en ai 0. Yes, merci. Et tu veux des bandages, Toricon? Non, mais moi, un bandage, j'en ai pas besoin. J'ai. Ok. Ok, on est ready to fight. On va direction. Casque 2 à l'occasion. Allez, on bouge. Direction. On reprend la route. Plein bon. Sud. Ça va nous ramener à Yasmaya. Tu prends. Là, à travers champ, tu prends l'autre route plus ouest, est. Ah, je sens que je suis en train de mourir, non? Non. Yes, et maintenant vous suivez la route principale jusqu'à Yelsnaya. C'est là où c'est le droit? Ouais, aller directement à HLM, HLM School, vous faites directement. Mais ça va tirer des balles. Mets-moi un point sur le pont à prendre, s'il te plaît. Un point sur le pont. Non, le pont 4, ok.
On passe par le pont 4 et après on va au Ayasta. Ah, school. School, je sais pas quoi. Il va falloir qu'on fasse une pause de bandage et compagnie. Ok, on s'arrête où? On s'arrête ici, ça vous va? Oui, bah non, là, on peut s'arrêter là. Bandage. Si quelqu'un a un peu de bandage, on veut bien. S'il vous plaît. Fox, t'as un bandage ou deux à claquer là? Ouais. Alors pour info, je pense que mon jeu il a bien craché là. Ah ouais, on te voit partir hors zone. Ouais, on peut bloquer ce Toriclon? On l'entoure, on le bloque? Non, on l'entoure. Il y avait un de Clark. On essaye d'entourer le Toriclon. C'est bizarre que ça me fasse ça quoi. J'ai besoin d'aide. Attendez. Et voilà, bloque ton prochain, empêche-le de vivre. C'est ça? On peut se soigner entre temps. Yes. Soigner. Ah, le beau barrage de. Des potes qui te sauvent la vie. C'est le barrage de l'amour. Quelqu'un veut un repose-pouce? Oh ouais, carrément. Je lâche un light, cool. Ah, je le prends sur ma mini-merde. Personne n'a trouvé un chargeur XXL de... Je reviens. D'ailleurs, c'est SMG ou c'est de pistolet? De pistolet. Chargeur XXL. D'accord. De pistolet, et c'est pas un rapide. Hein. Tu peux pas prendre un rapide. On prend qu'un et c'est un chargeur noir, quoi. Il est noir, cool. Ok. C'est un peu restrictif, hein, je trouve. Mais ok. Dans une minute 11, la zone repart. Hein. Il a quitté le Discord. Yes. Il sera probablement obligé d'aller récupérer du coup Fox sur le Discord. Mais bon, ce sera pas urgent. Oula. Ah, moi je le vois prendre des positions, Toriclon. Ça fait peur. Fait des trucs avec ses bras. Wouh. Son visuel. Oh, pardon, c'était pas mon téléphone. Ah, c'est Vibro Masterman. C'était pas ton téléphone. Ah, non, j'ai compris. Non, mais si, c'est bon, on a tout compris. Y'a pas de soucis. Tu n'as pas vu la vidéo quand on fait un top 1 avec le VIP là? La vidéo avec un top 1? Ouais, on avait fait un top 1 avec un VIP, je sais plus c'était quand, il y a deux jours je crois ou trois. Je sais pas, c'était pas avec moi. Un Fox. T'es avec qui? Allô, oui, tu dis. On avait fait une vidéo VIP, on avait fait un top 1, le premier essai. Bon, ouais, non, il n'y avait pas de vidéo. Comme Knarfon n'était pas là, j'avais pas pris la vidéo. Ah merde, oui. Ouais. Ah, c'est dommage. On n'a pas eu trop de chance en mode VIP jusqu'ici. Ah, ça y est, on commence à faire. T'es avec nous? Ouais, j'arrive là. Je sais pas si vous me voyez connecté, mais là j'arrive. Ouais, t'es reconnecté. Ouais, ça y est, c'est cool. Vas-y, on bouge. Hop là-bas. Véhicule de devant, je te laisse conduire, Fox. Merci les gars. Hop. Ça se trouve, c'est ça qui nous a sauvés. Hein. Il y a des rochers là. Hein. Il y a du caillou. Ça se trouve, c'est la déconnexion qui nous a sauvés. On se faisait attendre et ils sont partis. On va aux immeubles encore? Vas-y, on va voir HLM. Hein. On s'arrête au premier? Allez, attention, y'a peut-être du monde. C'est ouvert. Voilà, ouais, vous faites descendre, bah, forcément, tout est ouvert. Ok, ça a l'air safe ici. Bah, si vous voyez un casque 2, n'oubliez pas, vous appelez tonton. Ah mais j'en ai un sur moi de casque 2 depuis tout à l'heure. Mais garde-le, je suis pas un VIP non plus. Hein. C'est une mule, c'est pas un VIP. Tonton. Je me bandage un peu en vite fait. Je monte. On sait jamais, il y a peut-être du monde. Si vous trouvez le chargeur noir pour pistole pour que Knarfang, notre mule, c'est cool. Ça serait vraiment cool parce que là, 20 balles en automatique. Qui c'est qui a une x8 à part moi? Moi, Tori. Ok. Moi j'ai une x4. J'ai un chargeur rapide d'air ici, est-ce que je le prends?
Ah, il y a un mort ici. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, moi je l'ai vu, mais il a rien. Il a juste un gilet 2 entamé et un truc. Un sac 2. Quelqu'un est-ce qu'il a un casque 2 de... Est-ce non. qu'il a un casque dedans? Même pas. Putain. Quelqu'un veut un sac 2, il est dessus. Non, c'est bon, non. J'ai le sac 2. Ouais, c'est vraiment le sac 3. Vraiment le sac 3. Bon, qu'est-ce qu'on fait ou qu'on va? Attends, je vais voir s'il y a des gens qui lèchent la zone. Il y a un airdrop qui a été droppé en nest, mais bon, je pense que ça a été fait, ça. Faut qu'on bouge après avec le véhicule, on a plus chaud. Véhicule? Ah oui, carrément, là. On va à la farm ou on va plus loin? On fait à pied, non? Je sais pas. Où vous voulez? Bon, bah, go véhicule. Ah, Toriklon, il veut tenter. Je vais récupérer Toriklon et vous commencez à avancer. Ou sinon, vous nous attendez. Ou vous venez avec nous, comme. T'as pas le droit de tirer. Ça, si tu me le lâches. On les attend. Faut lâcher le 556 si tu veux le tirer. Lâche le 556. Attends, j'arrive, tu peux tirer sur. Vas-y, hop. Oh putain, y'en avait beaucoup trop, je peux plus en ramasser. Arrêtez de ramasser, vas-y. Non, vas-y, c'est bon, on se casse aussi. Je peux le ramasser, c'est bon. Bah, tu peux plus tirer avec ton 556. Ouais. Enfin, je suis casque 1 à la misère, quoi. Mais mon dieu, j'ai l'impression de jouer à PUBG avec IPR. Ah, il y avait une caisse. Il y avait un drop, air drop. C'est ce qu'il vient de ramasser. Il y avait pas un casque 2 qui traînait par terre. Non, 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 il y avait rien. Ah, avec le casque en plastoc, je me sens pas sécur. Le petit convoi. J'entends une moto à gauche. Ouais, ouais, j'ai entendu aussi à gauche. On est en pleine plaine, on bleu, faut pas qu'on reste. On va en ferme, on va en ferme, y'a du monde. Il m'a crevé un pneu. On prend la première maison de la ferme. Oh. Vas-y, vas-y, on s'arrête, première maison. Je vais voir s'il y a du monde là. Ok. Non. Ouf, il m'a frôlé le mec. Qu'est-ce que deux? Qu'est-ce que deux? Qu'est-ce que deux? Qu'est-ce que deux? Wouhou! Attends, il y a du monde partout. J'ai une vision en 350. 350, il y a un arbre juste à côté d'un rocher collé. Et bien il se trouve là le mec au snipe. Allez-y, vous avez des 8x, hein? Ok, je vois de ce que ça flash. Ok. Je vois là, le rocher, j'ai l'arbre. Ok. Ah, difficile de toucher. Il sort à peine sa tête. Touché. Soigne-toi, lui il me touche. Sérieux. J'ai pas de painkiller, quelqu'un a un painkiller? Ou un... J'ai plus rien moi. Ça nous arrive sur lui là. Non, j'ai claqué mon dernier mec, j'ai plus rien. Tu veux quoi? Est-ce que je pourrais avoir 8 munitions de 5,56 s'il te plaît? Bah tu montes à l'étage et tu les as. Yes. C'est bon. Tu sais séparer Yes. Sinon j'aurais pas proposé le défi. Sinon j'aurais fait en fait comment qu'on fait pour jouer aux jeux vidéo? Bon on tourne, ouais on tourne. Il me faut un boost moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le mec a couru, il faut faire attention le mec. Ouais, il doit être en 310 à peu près. Mais c'est nettoyé, il reste rien quoi, nulle part. J'ai pas envie de rush l'autre maison là-bas là. Je sens que c'est pas une bonne idée. La maison rouge et blanche? Ouais. Ok.
C'est ouvert, mais... Non, après, t'as les champs. Alors, zone, ça va. Bah, après, c'est les champs pour traverser, ça va être chiant. On va prendre un nouveau véhicule. On est chaud, non? Personne n'a besoin du coup si d'être TMR, mais. Truc comme ça, quoi. Ça pète, hein. C'est le 14 juillet. Ça pète en 190 derrière les maisons là. Ouais, ça tire pas très loin. Moi ouais, j'ai presque envie de les rush. Ouais, j'ai presque aussi envie. Vous les cognez ou pas? Bah, il y aura du monde entre temps. Ils sont pas les seuls, il y aura du monde entre temps, je pense. Je suis chaud. Oh les gars, on va perdre notre mule. Ok, je crois devant moi là. Contact devant moi, juste derrière le muret en fait. Face à moi, il y a un type. Il va me descendre. Vous en... Il m'a eu. Aussi. Mais il est à quelle position le mec? Derrière le muret. Il y a un autre tireur isolé quelque part. Vous avez plus de mule. Je te l'ai pointé. 250 par rapport à moi, après je saurais pas te dire exactement. C'est un sac poubelle. Faites gaffe, il y a un autre tireur isolé dans la pampa. Mais Toriklon, il a des balles? T'as pas le droit de tirer, Toriklon. Toriklon, faut que tu lâches tes balles. Ouais, attends. Ouais, il a trop de balles, le cochon. Il triche depuis le début. Non, en fait, c'est même pas mon chat. Tiens, meurs. Tu triches, tonton, tu triches. Par la fenêtre. Quelle position? Quelle fenêtre? Là, ok. C'est quoi page up, page down? Je sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est côté de fin. Hello! Le mec qui parle. Where are you from? You can speak if you want. Don't be shy. Don't be shy. Chain break like a diamond. Molotov. Mais tu vas mourir en Molotov. T'as même pas réussi à tuer l'autre du coup. Dommage. Ah, j'ai plus que 24 balles, je suis en économie là mon gars, laisse tomber. Il y en a un qui est dehors, non? Ou tu sais, dans le balcon là. T'as une grenade ou un truc dans le genre? Il y a des grenades sur mon cadavre. Ouais, sur mon cadavre aussi, mais le problème c'est de te faire tuer depuis le balcon. Oh, pire, tu attends, hein, t'es pas pressé. Non, tu peux récupérer ses grenades sur son cadavre. Hein. Mais c'est juste qu'il faut que tu gardes la fenêtre en visu hein, avant de prendre quoi que ce soit. Je vais tranquillement me poser. Il va devoir bouger avec la zone. Soit il va sauter du. Chut, chut, non, il va descendre. Non, il n'a pas osé. Oh, j'ai plus que 12 balles. Passe à la mini, passe à la mini. Crabe. Mais du coup, vu qu'il a plus de muse, il se fait enculer quoi, du coup. Ah, pardon. Ah ouais.
Bah, il va falloir que tu retournes en zone récupérer des munitions sur le mec. Non, c'est mort, elle fait trop mal la zone. Pas tant qu'elle est au bout du cercle, hein. Normalement. C'est... Ah bah, à moins que t'aies pas de soin, hein. Et dans ces cas-là, c'est mort. Non, j'ai encore du soin. Bon, tu sais qu'il y a un mec là-bas. Bah, tu peux le rush, hein. Récupère des munitions parce que là, t'es vraiment dans le mal. Là, t'es vraiment dans le mal, quoi. C'est vraiment ta mission pour le seigneur là, tu vois. Ouais, je serais toi, j'irai voir en zone pour récupérer des munitions. Tant que la zone elle est pas trop loin, c'est faisable, elle avance pas très vite là. Ça picote un peu, tu prends plein de balles, de toute façon tu t'en fous. Tu prends peu de balles, tu prends tout. Fais vite par contre. Ouais, voilà, casse-toi. J'ai rien pris. Ah, comment ça t'as rien pris? Il s'est occupé de prendre un sac 3 et tout. Du soin du sac 3 mais pas de mule. 5 grenades, mais lol. Là par contre, par contre il a fortier après. Tu prends des munitions après tu y vas. Et quand il a que 30 balles de 5,56. C'est largement suffisant sinon je peux pas tirer de toute façon. Faut que tu recharges et que tu lâches les autres. Tu jeter le reste. Lâche les 12. Ouais. Par contre soigne-toi et tu pars direct. Et j'espère que t'as rechargé ta mini 14 aussi. Avant de tout lâcher. Elle est à 20, j'ai pas touché. Vas-y là tu peux y aller. Okay. Hein. Mets toi une canette si t'as. Non j'ai rien. Il y avait rien mec. Oh la misère. Ah, la misère. Elle va vite la zone. Tu pouvais pas tomber sur un mec plein de stuff quoi. Eh hey, la cabane, c'est ta vie. Si t'atteins la cabane, t'es safe. T'es le roi du pétrole. C'est la cabane de ta vie, j'espère qu'elle est en zone. Je crois même pas. Si elle est en zone, elle est en zone. Elle est en zone ma gueule. T'es le roi du pétrole si tu l'atteins. Ah. La cabane est en zone, vas-y. Mets-toi dedans mec, c'est ta vie. T'as raison d'y croire. Y'a personne dedans. C'est ta. Après, je suis bien à l'extérieur. Ouais. C'est vrai que t'es pas mal aussi. Et regarde s'il y a pas un petit soin, un machin. Grenade. Allez. Ok, faudra que j'aille par la gauche. Ok, courage, Tix. Ouais, parce que courage. Du coup, t'étais tout seul sur ce clan-là. Ça fait la guerre de maison en maison. Ouais, c'est n'avance pas tant que t'as pas besoin d'avancer. Hein. Laisse s'entretuer tranquillement. Gratte des places. T'inquiète, je fais la technique de la salope. Mais là, je pense qu'on est déjà en top 5. C'est la technique comme je l'ai baptisé sur R6, la technique de l'insecte rampant. Là, ils vont dire, oh putain, on est en train de se faire assaut. Ils ont tous la tête tirée pour regarder. Mais qui balance des greux quoi? Tu leur donnes une petite ambiance 15ème guerre mondiale. Je pense que tu peux commencer déjà à ramper pour voir un peu ce qui se trouve. Ah tu vois, il y en a un au niveau du bâtiment rouge là. Ah ouais, non mais ouais, cache-toi derrière une botte de foin, c'est le top. Top à la vachette. J'ai vu. Oh oui, tu l'as vu là. Et je crois qu'il t'a vu aussi. Pas son coup, pas con ou pas. Il me tourne le dos. Non, il t'a pas vu, Ah oui, d'accord, ils se font une guéguerre entre eux. Très bien, magnifique. 3. Oh, mais il libère le bâtiment. 4, il libère le bâtiment. Asdi. Attends, si ça marche, la grenade, je rigole. Ça, ouais, ça vient, ça marche. Ça avance, ce ninja de l'extrême. Oh là là, j'ai cru que j'allais faire de la merde. Mais j'en ai fait. Ouais, et tu peux pas recharger. Est-ce que t'as un bandage? Laissez s'occuper de. Non, le tue pas, il est tout seul contre 4 mecs. Le tue pas, c'est ton meilleur ami en fait. C'est ça que tu ne sais pas. S'il te reste un bandage. Il va falloir l'utiliser. Il y a un mec qui est dans les fougères à gauche là, je sais pas où, mais il est ouais, qui ouais. Il y a un mec en est, ouais. T'expose pas, tu sais qu'il y a une équipe de 4 en face. Il y a probablement 4 mecs sur. Voilà, t'expose pas, remets-toi du bandage, hein. Ta vie est un bandage. Ta vie, c'est le bandage. J'aime bien. Mec. Hashtag, j'adore ça. Est-ce que par hasard, la botte de foin là à ta droite, elle est dans la zone, je crois? Au niveau des fenêtres, ouais. Bah ouais, elle est dans ma zone, mais. Au niveau des fenêtres. Ah, j'ai appuyé. Oh là, mais la pression qu'il leur met, quoi! Tu leur mets une pression! Y'a un mec dehors, là, tu l'as vu? Ouais, derrière la voiture.
C'est ça, continue de tirer, mon gars. Oui, il n'a pas eu ton kill. Allez. Je te conseille d'échanger quelques balles. Il y en avait un à la fenêtre de droite. Attends, ils ont pas la zone. Ils ont pas la zone. Ah, ils ont pas la zone, ils vont être obligés de sortir. Mais toi, peut-être en coup par coup avec. Je vois le mec au niveau de l'arbre. Attends, il est où, mon, mon monster kill, il te reste 5 balles. Mais il est où? Il est couché, c'est pas possible. Il doit être en zone, hein, je sais pas où il est. T'en fous, toi, t'es en zone. Le reste, tu veux pas le savoir. Il est là-bas, il est là-bas. Il est dans l'herbe. Ok, je le vois. Putain, il te reste 4 balles. T'as pas mal à merder. Et passe peut-être à la mini. Putain, deux balles de mini, je crois. Combien? Ça fout tellement. Attends. Et t'as combien de balles de mini là? J'en ai zéro. J'ai les retirées pour recharger. D'accord. Là, ça serait pas mieux que tu passes à la mini? Non! Non, c'est dommage. Oh, j'ai vu un micro lag. T'étais à rien de du top 1. Mais bravo, hein. Mais c'était très jeu. Très bon. C'était pour le beau jeu, j'ai fait exprès, les gars, c'est pas. Ouais. Ah, c'est vraiment propre ce que t'as fait. Le pire, c'est que c'est le défi mule qui t'a tué, qui t'a empêché d'avoir la place de premier. C'est quoi. Ça. Et l'absence de soins. Parce que t'avais un peu plus de vie là aussi, tu passais. C'est pas grave. Putain. Bon, bah des bisous YouTube, hein. Bisous YouTube. Salut.